Qui donc vient briser les chaînes de mon tourment? Tu es solide, mais tu es bien trop petit, même pour un Olympien, pour être un dieu. Kratos! Comment? Kratos, toujours le même guerrier arrogant et stupide. Tu n'as pas changé. Et comment tu vas t'y prendre pour venir à bout du roi de tous les dieux? En reprenant la lame de l'Olympe et en la plongeant dans le cœur de Zeus. Elle détient le pouvoir qui était le mien. Lorsque j'étais le dieu de la guerre. La lame de l'Olympe. Je n'ai pas entendu ce nom depuis si longtemps. Depuis la fin de la grande guerre. La soif de sang et la puissance faisaient rage en Zeus. Son désir de régner sur tous les mortels était intolérable à nos yeux. La guerre entre les titans et les olympiens a forgé le paysage du monde des mortels. C'était une guerre dont les titans ne pouvaient que sortir vainqueurs. C'est simple, la défaite aurait scellé la fin de l'âge d'or du règne des titans. C'était la fin de la paix et de la prospérité pour l'humanité. La bataille continua malgré ma capture, jusqu'à ce que Zeus crée une arme assez puissante pour mettre fin à la Grande Guerre. Une arme forgée dans les cieux et sur Terre. La terrible lame de l'Olympe. Je te bannis dans les puits les plus noirs du Tartare. Ah!
projeté dans les tréfonds de l'Hadès. J'aurais détruit Zeus si seulement tu ne m'avais pas jeté ici, toi l'esclave des dieux. Je ne suis plus le serviteur des dieux comme avant, Atlas. J'en ai eu assez de supporter leurs petits jeux de trahison. Montre-moi comment parvenir aux sœurs du destin et je tuerai Zeus une fois pour toutes. Possédera un grand pouvoir. Je t'ai donné le reste de mon pouvoir, Spartiate, et je vais t'aider à traverser l'abîme. Mais c'est tout ce que je veux faire. Que la destinée t'ouvre le passage, Kratos. Car nombreux sont ceux qui dépendent de ta réussite.